dans ma dernière que je ne termine pas. Je viens ici, je ne termine pas et je réunis tous les trois ensemble. Voyez-vous, c'est droit, ça ne fait pas des grosses loupes, ça fonctionne. 1, 2, 3. Je vais m'en venir ici, c'est parce que j'avais fait... Il faudrait que j'arrive comme ici, là. Je vais essayer avec mon crochet. C'est pas que j'ai rentré mes fils, hein? Mes fils sont très bien rentrés d'habitude. Et 1, 2, 3. Je m'en viens au début ici. Et voilà. C'est comme ça que ça se fait. Maintenant, dans toute cette partie-ci, où est-ce qu'on va joindre la poitrine et tout ça, on va faire des picots. Ici, je vais refaire une maille serrée pour être vraiment sur le dessus. Et un picot, ça va être un petit picot. D'habitude, c'est 3 mailles en l'air. Là, c'est 2 mailles en l'air. Et voyez ici, là, les deux loupes de ma maille serrée, je vais les prendre et je vais passer au travers. Je vais faire une maille serrée régulière. Ici, je vais faire une maille serrée et le picot. Donc, 2 mailles en l'air. Et ici, les deux parties de ma maille serrée. Une maille serrée régulière. Une maille serrée suivie de 2 mailles en l'air pour faire le petit picot. On voit bien. Ici, une maille serrée. Dans l'autre, une maille serrée et petit picot. Un truc, quand on prend les deux ici, c'est de tenir tout ça ici en arrière. Donc, tout ce que j'ai sur le devant, c'est les trois loupes. C'est pour ça que ça s'enlève bien toutes les trois ensemble. Une maille serrée. Une maille serrée, petit picot, les deux brins, on tient en arrière, on passe dans les trois. Maille serrée, petit picot. Donc voilà, ça fait ça ici. Ça fait une belle petite finition. Alors, on fait ça tout le long ici, jusqu'en haut. Ici, de la pointe de notre poitrine. Je vais me rendre jusqu'au coin, puis je vais regarder comment ça arrive au coin, puis on va voir qu'est-ce qu'on va faire. J'y suis dans le coin. Je suis rendue à faire ma maille serrée ici. Donc, je continue ma maille serrée. Dans l'espace ici, je fais la maille serrée avec le picot, 2 mailles en l'air, prends les 2 brins. On passe au travers des 3. Maille serrée ici, dans la maille. Autre maille serrée. Picot. Si on est trop serré, ça va pas très bien. Je ferai ici une maille serrée. Ici, il faut y aller au jugé. Est-ce que c'est mieux de le faire ici ou là? Pour garder ma séquence, je vais le faire ici. Maille serrée ici, picot. Donc
il faut que je regarde. Il faut que je regarde mon travail régulièrement. Je ferai pas une maille serrée. Ici, c'est un petit peu serré. Peut-être, oui. Maille serrée. Ici, je ferai picot. Il n'y a pas de règle absolue. Ce qu'il faut, c'est que ça ait de l'allure. Parce qu'une bride, ça avait comme trois mailles. Ici, je ferai le picot, la maille serrée. Et ici, je prendrai deux brins pour que ce soit plus large. Je vais faire l'autre maille serrée avec le picot. Je ferai maille serrée ici. Ici, dans le trou, je ferai le picot. C'est pas mon point préféré, le picot. Mais ça fait vraiment une belle finition. Serré. Ici, picot. Et regardez régulièrement votre travail pour voir si est-ce que ça vous plaît, ça vous plaît pas, il y a trop d'espace, vous allez corriger le tir au fur et à mesure. Moi, je trouve que la séquence est quand même très bien. Alors, je vais continuer puis je vais me rendre jusqu'au bout ici. Je vais terminer par un ici, là, dans la maille, mes trois mailles en l'air ici, là, et tout petite ici. Je vais terminer par un picot ici. Donc, on se voit rendu ici au bout. Je suis rendu en haut. Un. Et. Deux. Picot. Des mailles serrées. Un, deux. Trois. Quatre. Ici, c'était deux ensemble. Ici, ça va être picot. Et on continue. Là, moi, j'ai mis mon petit, c'est mes petits fils ici. Je vais les couper. Alors, on continue. On va voir comment on va être rendu ici. Idéalement, il faudrait s'organiser pour avoir un petit picot ici, au centre. On va voir comment ça va arriver. Je suis rendue au coin. Normalement, j'ai fait ma maille serrée. Je serais rendue à faire mon picot ici. Mais dans ça, ça serait ma maille serrée. Je pourrais aussi bien le faire. Je vais regarder ce que j'aime le plus. Si je fais mon picot ici, et que je fais ma maille serrée ici, un fil avec plusieurs brins, là, c'est ça que ça fait. Mon picot ici, j'ai dit. Je fais ma maille serrée ici. Si je fais un picot de l'autre côté, est-ce que ça me plaît? Ou je veux vraiment avoir le picot au centre? Je pense que ce serait plus beau un picot au centre. Il est presque au centre. Mais pas tout à fait. Ce que je vais faire ma deuxième maille serrée plus près. Mon picot.
Quand je dis qu'il faut sortir de la boîte, là, mais c'est ça. Il faut y aller par jugement, par essai, et il n'y a rien qui est blanc et noir. Hein? Des fois, il y a du gris. C'est pour ça qu'il faut savoir se débrouiller, regarder ce qu'on fait, expérimenter, défaire s'il faut et recommencer. Voilà. Je vais faire ma main serrée pour mon autre picot, puis je vais vous montrer. Vous allez pouvoir comparer les deux. Ici, je ferai mon autre picot. Voilà, il y a un petit picot. Vous voyez bien là? Oui, il y a un petit picot au centre. Ben, moi, j'aime mieux ça comme ça. Donc, OK. On continue, on fait la même chose. On fait la même chose jusqu'ici. Rendu ici, on finit par un petit picot. Trois mailles en l'air. On fait une loupe. On regarde le nombre de loupes qu'on a de l'autre côté. Ici, là, qu'on a fait tantôt. Et on fait la même chose. On n'oublie pas qu'ici, on fait une maille serrée, pas terminée, puis on va chercher l'autre de l'autre côté et on rassemble tout ça pour fermer notre petit carré. Donc, on fait tout ça. Et je vous rejoins ici parce que c'est peut-être un petit peu plus compliqué. On termine cette partie-là. OK, je suis arrivée au bout avec un picot. On faisait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et moi, je vais arriver ici. J'en ai 12 de l'autre côté. Donc, je devrais en avoir 12 de ce côté-ci. 1, 2, 3. J'arrivais au bout des 4 brides. Je faisais une maille serrée, pas terminée. J'allais chercher la première ici. Maille serrée, pas terminée. Et je les termine ensemble. 1, 2. Voyons, 3, je m'en allais au bout des 4 ici, 1, 2, 3, je m'en allais, où est-ce que je peux, pour que ce soit droit, ça l'est, 1, 2, 3, je m'en ai. Il y a fallu que j'aille ici. 1, 2, 3. Je vais prendre celle-là, je ne la termine pas. Je vais prendre celle-là, je ne la termine pas. Et je les mets ensemble. C'est quand même droit. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que j'en ai 6 dans le reste. 1, 2, 3. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Un, deux, peut-être ici. 1, 2, 3. Oups! C'était ici. OK, combien j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il faut 1, 2, 3. Il faut que j'en fasse 10. Peut-être un petit peu plus loin. 10. Et Moses, mes pleins de pouces. Je prends toujours deux brins. Ça fait des loupes moins grandes. 10, 2, 3. 11. 1, 2, 3 et 12. Ici, je vais prendre les deux brins. Et une main coulée. Voilà, je coupe et je termine.
J'en ai 12 des deux côtés. J'ai fait le tour. Attends, un petit peu, je vais vous montrer. Voilà. Tous les picots, je vais reculer un petit peu. Non, je suis au maximum. Voilà. Ce sont les picots ici. Voilà. Tout ça ici. Tout ça ici. Ensuite, on se revoit pour faire les petites bretelles ici en haut. D'un côté, j'ai fait les bretelles. Voyez-vous ce que ça donne? C'est vraiment une belle petite finition originale, simple, à partir du bout. Ce qu'on va faire, on est sur l'endroit. Je vais faire mon nœud. Et vous vous souvenez qu'on avait 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Je viens m'ancrer dans la première. Je fais une maille serrée dans la première. Je prends la deuxième, je ne la termine pas. Je prends la troisième, je ne la termine pas. Je la termine ensemble. Je fais une maille serrée ici. On tourne. J'entre mon fil dans celle que j'avais ici. Attends un petit peu, je vais me replacer comme il faut. J'entre mon fil, je ne la termine pas. Je prends la deuxième, je ne la termine pas. Et je prends la troisième. Et là, je les termine ensemble. Voilà. On termine avec une maille seulement. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Pour faire ce bel effet-là, ça prend 2 brides pas terminées, réunies ensemble dans la première ici. Mais je vous conseille de prendre les 2 brins. Voyez-vous, j'ai fait 1, 2 dans la troisième. Je vous conseille de prendre 2 brins. Comme ça, ça fait un trou moins grand. Je fais une bride, je ne la termine pas. Et dans le même trou, en prenant toujours les 2 brins, je fais une bride, je ne la termine pas et je les termine ensemble. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride dans les 2 brins ici que je ne termine pas. Et l'autre que je ne termine pas et je les rassemble ensemble. 1, 2, 3. Je prends 2 brins, une bride non terminée, une autre bride non terminée, et je les réunis ensemble. On continue. 1, 2, 3. On va faire ça jusqu'à temps qu'on ait obtenu la longueur voulue. C'est sûr que... Attends un petit peu, je vais vous replacer ça, puis je vais reculer un petit peu. C'est sûr que moi, j'en ai très long parce que j'ai quand même une poitrine assez volumineuse. C'est sûr que si je fais un small, le nombre de petites loupes comme ça que je vais avoir besoin, je vais en avoir besoin de plus parce que ça termine plus bas. Étant donné que la mienne monte haut, moi, j'en ai mis une vingtaine. Je crois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. J'en ai mis 25. Alors, on termine ça. On entre les fils à l'intérieur pour que ça paraisse pas, que ça fasse une belle finition. Puis, on se revoit pour faire une autre finition. OK, on est rendu à l'autre étape. On est sur l'envers du travail. Voyez-vous, je vois pas les petites loupes de mes mailles. Je vous offre 2 choix. Ou vous les laissez séparés comme ça, ou vous les attachez ensemble et ça fait plus fermé. Tout dépendant de la vision que vous avez de votre petit camisole. Pour moi, cette version-ci est mieux. Vous l'aimez comme ça, vous arrêtez, c'est pas plus compliqué. Mais si vous voulez le fermer, je vais vous montrer. Vous avez besoin d'une aiguille et d'un petit bout de fil.
On enfile notre aiguille. OK, je vais essayer de rapprocher un petit peu. Oups. Bon. On va prendre, voyez-vous, 1, 2, 3, 4, la quatrième bride ici. On entre à l'intérieur. La quatrième bride ici. Oups, je suis pris dans la maison. On passe. Elle est ici. À l'intérieur. On passe ici. On la voit ici, la quatrième. Je la prends en entier. Ici, la quatrième, je la vois, je la prends en entier. Voyez-vous? On a fait le tour des quatre coins. On va faire le premier nœud, il va être lousse. Voyez-vous, il y a un espace ici. Il ne faut pas que ce soit trop serré. Le deuxième nœud, ça va. Et j'en fais toujours un troisième de sécurité. Et je passe les fils à travers les quatre mailles que j'ai ici et je viens l'entourer dans cette partie-ci qui est assez serrée, assez dense. Bon, je vais refaire la même chose de l'autre côté. On va recommencer. Enfiler notre aiguille. On passe dans la bride avant nos quatre mailles en l'air. Ici. Dans la bride avant les quatre mailles en l'air, ici. Même chose de l'autre côté. On la voit bien. Et ici aussi. Elle est ici. Pas trop serré. Deuxième nœud, troisième nœud. On entre nos fils. Ce que je vous conseille de faire, là, c'est vraiment de le laver, de le laisser sécher à plat, de bien l'étirer pour que vos carrés soient vraiment jolis, là. Une fois étirés, ça fait ça, là. C'est vraiment bien. Et puis, là, on va faire le petit cordon pour venir passer à travers les ganses ici. Ceux qui ont fait la version courte, là, ici, là, c'est pas ici. Ceux qui ont fait la version courte n'ont que ça ici et deux rangs ici. Il n'y a pas beaucoup de loupes, il y a quatre ou cinq loupes. Là, c'est sûr que les mailles en l'air qu'on va monter vont être moins longues que moi, que j'en ai 12. C'est sûr. Alors, c'est simplement des mailles en l'air. On fait notre premier nœud. Je ne les ferai pas toutes, mais je vais vous expliquer comment faire. Simplement, les mailles en l'air. Je vais en faire juste quelques-unes pour vous montrer. Et on va prendre l'arrière dans la deuxième, rendu à la fin. On prend l'arrière de la maille, OK? Comme on fait d'habitude. Voilà. Et on fait une maille serrée. Moi, j'ai un petit fil. Je veux que le petit cordon soit un petit peu plus large. Et en faisant ça, je vois le beau côté des mailles sur les deux bords. Je vais vous montrer. Simplement des mailles serrées. Si votre fil est plus gros, peut-être juste de faire des mailles coulées, ce serait suffisant. Bon. Je vous montre. Ça fait ça. Ça veut dire sur le dessus, je vois les belles mailles et sur de l'autre côté, je vois les belles mailles aussi. Donc, c'est quelque chose qui est plus solide parce que c'est un peu plus large que juste des mailles en l'air. Puis, je trouve ça joli. Alors, vous faites la longueur que vous avez besoin. Vous rentrez vos fils partout, vous lavez, vous étendez à plat et je vais prendre une photo pour vous montrer le résultat final. Pour mes franges, j'ai déterminé que cette longueur-là, ce serait l'idéal. Il faut se rappeler que c'est séparé en deux. Ça me donne à peu près cette longueur de frange-là, une fois que c'est installé.
Ce que j'ai fait, j'ai pris mon fil, j'ai fait le tour plusieurs fois. Ensuite, j'ai coupé de ce côté-ci, j'ai coupé de l'autre côté. Et ce que ça m'a donné, c'est mes brins qui sont cette longueur-là. Moi, mon fil, il était petit. J'ai décidé de prendre 6 fils. Je l'ai essayé avec 5 et c'était pas assez. Donc, j'ai essayé avec 6. On est dans les anneaux. On est en plus du côté à l'endroit. On est sur l'endroit ici. Moi, il m'en reste un à faire. Donc, je passe à l'intérieur de mon anneau. Je prends le centre de ma loupe. Je fais une loupe comme ça. Je prends mon fil et je le passe au travers de tout ça. Voyez-vous? Comme ça. Ça fait la petite partie ronde ici fermée. J'aime mieux ce côté-là que ce côté-là ici. Comme ça. C'est moins joli. C'est pour ça qu'on le fait sur l'endroit de cette façon-là. Alors, vous aurez juste à terminer complètement toutes vos franges. Ici, j'ai mon petit lacet. C'est magnifique. Voyez-vous, les loupes qu'on a fait avec nos mailles en l'air sont ici. Le lacet, il fait un beau rendu parce qu'il est large. C'est vraiment magnifique. Là, je suis à l'arrière. Ça, c'est l'avant. Alors, voilà. C'est comme ça.